Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, il est 8h40 et j'ai mal au crâne. Voilà, je me suis réveillée avec mal de crâne. Et je me demande si c'est pas dû au patch pour dormir. Vu que c'est avec des huiles essentielles, je me demande si de temps en temps ça me cause pas des réactions. Enfin, ouais, un mal de crâne quoi. Puisque je ne supporte pas vraiment les... J'ai une sale gueule, hein. Ouais, je trouve aussi. Je ne supporte pas les huiles essentielles. Et là, je pense que c'est ça qui m'a donné mon petit mal de crâne. Alors, c'est pas une grosse migraine, mais c'est un mal hyper dérangeant. Surtout que j'ai essayé d'aller me recoucher à 7h30 quand Sam est parti à l'école. Enfin, 7h15 quand il s'est levé pour aller à l'école plutôt. Et Ryan n'a pas arrêté de venir gratter la porte, donc j'ai pas su redormir. Là, je viens de manger 3 madeleines et je pense que comme ils ont mangé, je vais attendre qu'ils rentrent et je vais aller me recoucher. Pour essayer de faire passer ce mal de crâne, là, parce que c'est hyper dérangeant. Bref, alors, mon petit week-end, bon, il a été plutôt calme. Vendredi, on a été aux courses et chez Action. Riley. J'ai pas acheté grand chose chez Action. J'ai acheté un masque à la kératine, j'ai acheté un soin pour mes cheveux. J'ai acheté des petites babioles, mais rien d'incroyable. J'ai trouvé des feuilles colorées pour Sam pour l'école. On y allait parce que je voulais des assiettes, vu que ma belle-soeur venait manger le samedi. Je voulais des assiettes et des assiettes à dessert, puisque je n'ai pas d'assiettes à dessert en dehors de mon service de fête, quoi. Mais là, il est trop chiant à sortir. Je vous ai expliqué la semaine dernière, hein, dans tout le bordel qu'il y a dans le couloir. Et j'aime bien le sortir pour les fêtes quand on est plus de. Quand on est une dizaine, quoi, parce que c'est un 12 pièces. Et ça fait très, 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 très longtemps que je l'ai. Donc, je voulais changer un peu et je voulais prendre des assiettes transparentes chez Action, là. Alors, déjà, d'abord, on ne les trouvait pas. J'ai putain, chier. Pour finir, je les trouve, chez Rimini, déjà, c'est moche. Et il restait 5 grandes assiettes, à la place de 6. Il me dit, tu sais quoi, on regardera pour un service quand on va au Cora après. J'ai dit, mais service, c'est beaucoup plus cher que juste acheter les assiettes à l'Unity chez Action, quoi. Ouais, il y en a des pas chers, il y en a des pas chers. Bah, quand il a vu les prix, il m'a dit, prends juste des assiettes à dessert. Donc voilà. Du coup, j'ai trouvé 6 petites assiettes carrées. J'ai pris les moins chères, puisque c'était des carrées blanches, toutes simples. Qui était déjà 1,89 pièces, mais qui était moins cher. Enfin, chez Action, les grandes carrées sont à 3 euros et des. 3 euros. On va dire 3 euros, 3,50 euros, et elles étaient à 4 euros chez Cora. Donc quand je retournerai chez Action, je prendrai 6 grandes carrées pour aller avec les assiettes à dessert, tout simplement. Et voilà, j'ai pas acheté grand chose. J'ai trouvé un masque à la kératine. J'ai fait, mais ça n'a pas beaucoup changé pour mes cheveux. La mèche qui est brûlée ici, la grosse touffe là. C'est vraiment les pointes ici qui sont cramées tout simplement. Hein. Je les ai bien, bien, bien abîmées. Voilà, cette partie là. Quoique même pas tout ça. Ouais, ici, on va dire tout ça. Voilà, cette partie là, je crois que vous voyez à quel point ils sont bien abîmés là. Ils font super orange avec des éclairages. Donc du coup, je vais quand même utiliser, j'ai reçu le produit. Je vais essayer de choper. Du coup, je l'ai rangé. J'ai reçu le traitement à la kératine, donc j'ai commandé sur Amazon. Sauf que, ben, c'est tout simplement pour faire un lissage vaginal. Hein, et ça, j'avais pas vu, je pensais que c'était juste un masque à laisser poser et qui allait... soigner les cheveux quoi, hein, puisque la kératine c'est bon pour les cheveux de toute façon, donc je vais quand même le faire parce que de toute façon ça sera pas mauvais pour eux. J'essaye de voir le temps de pause.
Bon, là, ils disent 20-30 minutes. Et après, bon, ben, il faut sécher pour enlever l'excédent d'humidité. Il faut les lisser mèche par mèche entre 7 et 10 fois. Donc, ça va être extrêmement long à faire. Je voulais le faire ce matin, mais là, comme j'ai mal le crâne, je le ferai tantôt. Comme ça, vous verrez le rendu demain. Voilà. Donc le samedi, on a tout préparé parce qu'il y a ma belle-sœur qui venait manger. Et dimanche, on a passé une super soirée déjà. Et dimanche, ben, j'ai rangé. Alors il n'y avait plus rien sur la table. Samedi soir, quand j'ai tout débarrassé, dimanche matin. Et les hommes ont fait leur linge. Voilà. J'ai deux gros paniers de linge qui me traînent sur la table. Bon, il y a ce qu'il me faut pour faire mes cheveux, mais une fois que j'aurai fini de faire mes cheveux, ça sera rangé. Il y avait mon PC portable aussi qui traînait, puisque ça m'a joué hier soir, et sa tasse et son verre. Voilà, c'est chouette. Et ouais, dimanche, j'ai fait que ça, puis j'ai joué, j'ai fait mon boss final. J'ai fait mon boss final sur Forspoken, là. Mais l'histoire n'est pas finie, c'est ça qui est bien, c'est que j'ai eu le générique et tout, mais il y a encore au moins un chapitre, et puis après, bon, j'ai le DLC à faire. Et puis après, j'ai toute la map à découvrir, donc toute l'exploration à faire après. Donc je tiendrai, je pense, avec ce jeu-là jusqu'à ce que l'autre y sorte, que j'attends là en été. Et puis de toute façon, Sam m'a téléchargé God of War aussi pour que j'essaye. Il m'a dit essaye, t'aimeras bien. Puisque celui-là, il fait partie des jeux gratuits sur l'extra, donc voilà. Elden Ring, j'ai laissé tomber. C'est trop dur. Je vous jure, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop dur. Bref. Bah écoutez, donc comme ça, vous avez vu l'état de mes cheveux. Je vais vous montrer un peu l'arrière. Et comme ça, vous verrez demain, demain ou après-demain, hein, si j'ai pas le courage de le faire aujourd'hui. C'est vraiment cette mèche-là quoi, qui m'emmerde. Et vous savez que moi et mes cheveux, c'est une grande histoire d'amour. J'avais dit que je m'en foutais un peu si je les abîmais, mais là, j'ai vraiment abusé. Avec les deux shampoings américains, cette touffe-là n'a pas aimé du tout. Bon, après, j'ai qu'à attendre qu'ils repoussent un petit peu pour les couper, hein, mais voilà. De toute façon, le masque à la kératine, enfin, le soin à la kératine, ça leur fera pas de mal, ça va bien les re-soigner et tout, les renourrir. Donc, on verra demain ce que ça donne, et puis voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser là. J'ai du montage aussi à faire. Donc je ferai ça, la vidéo de mercredi et de samedi. Je ferai ça quand ça posera sur ma tête. Ça après je vais directement à la douche pour rincer et refaire un masque à la kératine que j'ai trouvé chez Action. C'est de la marque Biphase. C'est le seul qu'il y avait à la kératine. Donc voilà, je l'ai pris et j'ai d'abord essayé de me faire un shampoing avec en laissant bien poser. Ça n'a pas... grand chose. Je vais vous montrer les autres soins que j'ai acheté chez Action. J'ai acheté celui-là de Egron. C'est une marque que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leurs produits. Et c'est Keren Oil Argan Oil. C'est vraiment pour les cheveux secs et abîmés. Pas besoin de rincer, mais c'est une crème en flacon pompe comme ça. Et voilà, elles sont super bonnes. Et chez Cora, j'ai pris la 200. Pareil, c'est la Nutri Extrême Richesse. Élixir concentré nutrition longueur et pointe très desséchée. Huile précieuse d'onagre et de sésame nourrit durablement et redonne douceur et éclat sans rinçage. Et il est génial. Sur mes autres cheveux, bah, je crois que vous voyez qu'il brille bien et tout. Ils sont bons. Ils sont encore meilleurs que l'autre. Oh là là. Oh, ils sont superbement bons. Franchement, j'aime beaucoup ce petit produit là. 100 ml, ici on est à 200 ml. Le prix était plutôt correct, hein. Il était 5-6 euros.
Donc ça va encore pour du 2 songes. Bon, ici forcément c'était beaucoup moins cher. Mais voilà, j'ai pris ça. Là pour l'instant, hier je les ai relavés. Je les ai relavés juste à l'évier pour enlever le tous les soins que j'avais fait justement. Parce que force de mettre des crèmes, ben, j'avais les cheveux tout durs, tout secs là. Et pour pouvoir faire le lissage brésilien, bon, ils disent d'utiliser un shampoing décapant, moi j'en ai plus. Je n'avais pas racheté juste pour refaire un shampoing sur les cheveux courts comme ça. Donc j'ai fait que du Head & Shoulders. Je l'ai laissé poser 5 minutes avant de rincer et puis voilà. Mais oh, cette mèche là, c'est affreux. Oh, la pauvre. Il faudrait que je coupe ouais, ça. Mais bon, là ça fait un peu court si je. Si je coupe ça, quoi. Ouais. Faudrait que je fasse de mèches plus courtes devant, peut-être. Mais ça fera pas beau. Hein. Riley, tu me saoules! Il y a de la bouffe, ça y est, elle attaque. Remue pas la queue, tu m'énerves! Je crois qu'elle est contente. Enfin, voilà. Alors, oui, ce matin, j'ai refait une commande Temu. Donc, j'attends 4 commandes Temu et 2 Shein. Tout ça pour une paire de pompes encore, alors que j'en ai 15 millions des pompes et que je mets que mes baskets. Mais elles étaient trop belles. C'est pour l'été. Donc du coup j'ai reporté le haul, je vous ai tourné un petit nail art là pour mercredi, ben celui-ci, de toute façon vous l'avez déjà eu, vous. C'est avec les produits de chez Action. Et normalement si j'ai bien tout reçu, je ferai le haul vendredi 19, donc vendredi qui vient pour vous, le haul Temu, et lundi 22 je ferai le haul Shein. Et voilà, tout simplement. Ouais, j'ai recommandé encore ce matin. Quand j'ai fait la commande, la dernière commande là, pour les sandalettes là, que je voulais, enfin les schlappes, j'ai hésité avec la paire de sandalettes justement là, à talons. Et puis là, je me suis dit, oh, putain, elles sont vraiment trop belles, ça fait habiller et tout. Donc, j'ai recommandé. Mais il faut 25 euros minimum. Donc voilà. J'en avais pour 26, je crois. Parce que j'ai pris une paire de pantoufles en plus. Parce que je viens de m'apercevoir que je n'avais plus qu'une paire de pantoufles d'avance. Et ça, c'est catastrophique. J'ai essayé de relaver les autres que j'avais. Là, je viens de rechanger avec celles que j'avais lavées la dernière fois. Et voilà. Bon, allez. Sur ce, on suit toujours. Alors, il doit être quelque chose comme 8h15, un truc comme ça. Je viens de finir de tourner ce make-up. J'essaye de ne pas me lever pour pas que vous voyez que je suis en bas de pyjama. Bilan pour la kératine. Alors... hier, mes cheveux étaient tout doux, même à ce niveau-là. Et là, c'est déjà nouveau, tout sec. Donc, voilà, ça m'a pas fait grand-chose. C'est joli, hein. Ils sont plus brillants, surtout de ce côté-ci. Ils sont tout doux. Mais alors, ça m'a défoncé les yeux. Ça me faisait couler les yeux, ça me brûlait les yeux. Et ça me brûlait même le fond de la gorge. Donc, clairement, je vais pas le refaire. Je vais jeter le reste du produit. C'est malheureux pour 20 balles, mais voilà, au moins j'aurais essayé, hein. Écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu, maintenant à part attendre qu'ils poussent et les couper, j'ai plus vraiment d'options, sauf si vous avez un remède miracle, alors à ce moment-là, partagez-le moi en commentaire. Yuki qui est en train de me fixer en me disant, mais à qui tu parles maman? Hier soir j'ai fait une commande Boozy Shop que j'attends aujourd'hui. Si elle arrive pas trop tard, je déballerai avec vous, sinon je vous montrerai demain. Je me suis recommandé de l'anti-cerne. Alors il n'y a pas de révolution, hein, aucun des deux révolutions d'ailleurs que j'utilise, donc j'ai pris un 4, 2 Catrice pour en avoir d'avance, et j'attends une promo sur les anti-cernes révolution.
pour refaire une commande juste de ça. De ça et voir du fond de teint, peut-être s'il en promo aussi le sérum teinté, là que j'adore. Et probablement un fixateur, puisque j'arrive au bout de mon stock. Voilà, voilà. D'ailleurs, en parlant de Révolution, je vais tester maintenant le spray hydratant XX Révolution Harvest Moon, que j'avais reçu de la part de Manon, puisque j'ai terminé mon Colourpop ce matin. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'ils sont bons. Donc, je vais tester celui-là à partir de ce soir, si je pense en faire mes soins, sinon ça sera à partir de demain matin. Ouais, là j'attends la commande Pussy Shop. J'ai une commande Chine qui arrive ce matin. Par contre, mes commandes Temu, elles ne bougent pas. Elles sont toujours, elles ont été dédouanées et ça fait 5 jours qu'elles n'ont pas bougé. Donc c'est quand même extrêmement chelou. Là, le 11, si je les ai pas reçus, j'aurais 5 euros de dédommagement. Et après, il faut attendre 30 jours en tout pour avoir le remboursement de la commande si jamais elle n'arrive pas. Donc voilà. Ben voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Donc voilà, soin à la kératine, ici c'est nouveau, tout sec, tout cramé. Tant pis, on fera avec. Hein. Comme ça, ça se voit pas trop quand je les attache, mais si je les détache, ça se voit, ça fait une grosse touffette crépule. Hein. C'est très moche. Mais bon, j'avais dit que je m'en foutais de les esquinter en me disant, de toute façon, je les esquinterai pas parce qu'ils sont hyper tolérants, mes cheveux. Ben là, ils... Le deuxième shampoing américain, ils n'ont pas aimé, ouais, vraiment pas. J'ai abusé aussi. Je leur en ai fait voir, là, les pauvres. Donc maintenant, on va leur foutre la paix. Hein. Le soin à la kératine leur a fait du bien pour tout le reste, sauf cette touffe de merde. Donc voilà. J'ai eu un problème de mascara à sourcils aussi ce matin. J'avais une crotte qui s'est mise et en essayant de l'essuyer, ça a fait des traces. Mais ça va, j'ai réussi à rectifier un peu le tiers. Je pense que ça ne se voit pas trop. C'est le Anastasia, c'est étonnant parce que ça m'est jamais arrivé avec le Anastasia d'avoir une crottinette comme ça au bout du goupillon. Pourtant je les sors, hein, mais voilà. C'était le petit incident sourcil, le sourcillon du jour. J'aime trop mes cheveux. J'aime trop mes cheveux. Par contre, j'ai une abonnée qui m'a envoyé un message hier soir ou ce matin, je ne sais pas, je l'ai vu ce matin moi. Qui me disait qu'elle aussi, elle est décolorée et cheveux gris et tout. Enfin, ouais, décolorée, puisqu'elle a fait une patine grise. Elle m'a donné la référence de la patine, mais bon, moi, j'ai des patines d'avance, donc je vais continuer sur celle que j'ai. Par contre, elle disait que sa coiffeuse avait conseillé de prendre des huiles pour les cheveux transparentes et pas jaunes, parce que ça jaunit les cheveux blancs, justement. Donc, très bien. Merci pour l'info, parce que je n'y aurais pas pensé. Voilà, j'ai presque fini la garnie. Je pense qu'après, les aussi, c'est des transparentes. Mais au pire, je vais regarder pour acheter des pas jaunes. Voilà, tout simplement. Donc, merci pour le tuyau. Je n'y aurais pas pensé de moi-même. Donc, voilà, je vous partage l'info. J'aime bien. Quand j'apprends des choses, j'aime bien vous les partager. Hein, je crois que vous avez compris. Je pense que hier, la vidéo sur la multipotentialité a été bien accueillie. Aujourd'hui, j'ai tourné l'hypersensibilité, donc vous aurez demain, normalement. Voilà, ça m'a beaucoup plu de faire ce genre de vidéo. J'ai une autre idée de vidéo, mais je sais que je peux me marrer en la faisant, je sais que vous pouvez vous marrer en la regardant. Le problème, c'est que ça risque d'attirer les trolls. Mais je ne sais pas. Bon allez, je vous crache le morceau. J'ai envie de faire le tribunal des dramas. Ouais. Ouais. Pourtant, je surfe jamais sur les dramas, mais ça peut être marrant, voilà, d'un peu ridiculiser en fait tous les dramas, là, les trucs qui prennent une ampleur, alors que c'est une connerie de base, quoi. Ouais. J'aime bien démonter un peu les trucs. Je sais pas, je me tâte. Faut que je vois comment je peux tourner ça et pour rester respectueuse forcément des parties concernées hein, et essayer de d'émettre le moins de jugement possible, rester un peu neutre, un peu, hein, parce qu'il y a des fois où à mon avis je pourrais pas prendre... Et j'avais envie de commencer sur la polémique d'Als, bien évidemment, Natacha Saint-Pierre versus Inès Reg. Voilà, voilà. Alors, je ne suis pas danse avec les stars.
Du tout, pas cette année. Déjà l'année dernière, j'avais lâché. Ça devient trop redondant, trop répétitif. Et les stars, déjà, c'est pas pour moi, c'est pas des stars, c'est des célébrités, des people. C'est pas des vraies stars comme au début. On avait Matt Pokora, Chaim, Alizée, ben, vous voyez, des vraies stars françaises. Là, c'est vrai qu'à part Natacha Saint-Pierre, ouais. Avec Delfino, bien évidemment, mais lui c'est international, donc on sait d'office qu'il va pas gagner, parce qu'ils vont pas faire gagner quelqu'un qui est pas français. Voilà quoi. Enfin bref, je ne sais pas, je vais voir. Hein, comme vous le savez, j'ai beaucoup d'idées, j'arrive pas toujours au bout des choses. Pourquoi ne pas tester une vidéo et puis voir ce que ça donne? Pourquoi pas? Voilà. Bon, allez, sur ce, je vais descendre faire ce que j'ai à faire. Ce matin, j'ai déjà pendu mon linge. J'ai fait un montage, il faut que j'achève celui de vendredi. J'ai plein de choses à faire en fait. Plein, 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 plein. Voilà. Et je ne sais pas si je vais pouvoir dormir parce que je ne sais pas à quelle heure vient PostNL pour mon colis Bousy Shop. Des fois, ils arrivent à midi et demi juste avant que je monte à la sieste, mais en ce moment, je monte plus tôt. Des fois, c'est 2 h 30 quand je me lève de la sieste. Des fois, c'est le soir. Des fois, ils sont en retard, c'est le lendemain. Donc, je ne sais pas du tout. On verra bien. Voilà. Allez, sur ce, soit ensuite je jour, ou si je reçois le colis pas trop tard, je reprends avec vous pour l'ouvrir. Sinon, je vous montrerai ça demain. Alors, il est midi. Oui, je fume. Désolée, mais voilà. Je suis épuisée. Georges ne m'a pas aidée. Puisque monsieur vient dire pourquoi je suis fatiguée. Pour le sport. Monsieur est venu me réveiller parce que ça fait 2 fois depuis ce matin que j'essaie d'aller me coucher. Que tu vas te coucher. 2 fois que je vais me coucher et que je dors à peine. Là, il est venu me réveiller parce qu'il allait au spa pour s'acheter des Monster. Et après, il vient se plaindre qu'il a de l'acidité, monsieur. Donc là, je viens de manger, je vais aller me recoucher. Le gros problème, heureusement que Georges n'avait pas cours aujourd'hui, c'est que bah, j'attends 4 colis. Oui, d'ailleurs, tiens, donc on y pense, demain je commence à 11 h. Et demain, il commence à 11 h. Il faut vraiment rien, ce gosse. Et là, il est en train de télécharger son jeu sur ma PS, comme ça il peut jouer en bas pour surveiller mes colis tant que moi je dors. Et donc mon colis que je devais recevoir hier entre 17 et 19 h, il est toujours pas là. Je le reçois aujourd'hui entre 15 et 17 h. Comme ça. Donc, comme je reçois mes 2 commandes Chine, enfin j'en ai déjà reçu une et je reçois la deuxième, je vais vous tourner ça pour vendredi, donc vous l'avez déjà eu. Et je vais incorporer le Whole Bousy Shop dedans, vu qu'il n'y a pas grand-chose dans les deux. Et voilà. Tout simplement. Et j'attends Temu. Chine, il y a un article que j'ai commandé hier, donc que je l'aurai pas. Je vous montrerai la photo. Je me suis commandé un nouveau jeans. Encore à cause des pubs Insta. Il faut vraiment que je bloque ce truc. Je ne sais pas s'il y a moyen de bloquer les pubs, mais à chaque fois que je regarde leurs fringues sur les pubs, là, il y en a 20, il y en a toujours un qui me fait craquer. Mais là, c'est un jeans pas de dev gothique. Voilà, bon, c'est pas vraiment gothique, c'est un jeans gris foncé avec des arabesques. Et ce matin, j'ai également commandé le cadeau d'anniversaire de Deji et de la copine d'Enzo. Je les ai commandés avant qu'ils soient en rupture de stock. Mais ça, je vous montrerai pas. Ou peut-être la semaine que je sais que j'offrirai les cadeaux pour si jamais, bien que je ne pense pas qu'une des deux regarde mes vlogs, mais au cas où. Et voilà. Comme ça, j'ai le temps d'attendre mes 2 dernières commandes Temu pour vous faire le haul Temu qui sera plus gros que le Chine. Hein, parce qu'il y a 4 commandes en tout. Voilà. Et donc j'ai refait 2 commandes juste pour 2 paires de pompes. À chaque fois, j'ai craqué sur une paire de pompes à chaque fois. Voilà. Donc bref, tout ça pour vous dire que bah, moi je vous reprends demain. Là, ce que je vais faire après la sieste, je vais faire un bain d'huile, un bain d'huile d'olive pour mes cheveux, puisque j'ai plus d'huile de coco ou de ricin ou des trucs comme ça. Donc je vais juste faire de l'huile d'olive et un bon masque à la kératine après. Pas le soin, hein, pas le traitement, juste un masque.
de chez Biface que j'avais trouvé chez Action. Donc voilà, comme ça je laisserai poser l'huile d'olive au moins 1 heure minimum. Et après j'irai à la douche. Voilà, on verra bien. J'entends un moteur qui tourne par là. Ah ben, ça va pas l'air d'être un coup. Donc voilà, bon, sur ce, écoutez, on va déjà switcher 2 jours. Moi, je vais aller me coucher, je suis épuisée. Voilà. Alors, il est 2h moins le quart. Ouais, je me prends super tard. Je viens de me démaquiller. Je me suis levée de la sieste il n'y a pas longtemps. J'ai bien dormi cette nuit. J'ai été me coucher à 21h30 et je me suis levée à 4h30. Donc, c'est une bonne moyenne. Ça fait quand même 7 heures de dodo. Et j'ai juste regardé l'heure à 1h30. Mais j'ai juste regardé l'heure et je me suis rendormie. Ah, ça fait du bien. Mais bon, de 4h30 à 10h, je n'ai pas arrêté. L'heure où il fallait réveiller Georges, parce qu'il commençait plus tard aujourd'hui. Et ben, du coup, quand il s'est levé, j'ai été me recoucher et je me suis levée à 12h30. Ah oui, ça fait déjà plus d'une heure que je l'ai. Ce matin, j'ai tourné un réel. J'ai tourné le haul Shein et Bousy Shop que vous avez eu vendredi. D'ailleurs, en faisant le montage, je me suis rendu compte que j'avais plein de rouge à lèvres sur les dents. Super. Je ne sais pas comment ça se fait avec les dentiers. À mon avis, ils reviennent un peu plus en avant par rapport à mes lèvres qu'avant. Parce que maintenant, j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps de rouge à lèvres sur les dents. C'est affreux. Je ne sais plus quoi faire. Donc voilà, passer ce petit détail. J'ai tourné la première partie du haul Temu, j'attends encore 2 commandes, plus une troisième, mais bon, ça je ne montrerai pas dans le haul puisque c'est des cadeaux d'anniversaire. Donc ça je vous montrerai en vlog quand je pourrai, quand je saurai que la personne ne sera pas spoilée. Et après j'ai fait des trucs dans la maison quoi. Par contre, il faudrait vraiment que je fasse les poussières sur mon étagère là, parce que j'ai un noir, c'est quand même. Avec le poêle à peler, les poussières, c'est affreux, ça fait des retombées grises comme ça, c'est dégueulasse. Et il faut les faire tout le temps, surtout sur les meubles blancs. Enfin, je crois que sur les meubles noirs, ça ferait plus blanc, mais ça se verrait quand même. Mais j'ai la flemme, j'ai une flemme. Voilà, comme j'ai pas arrêté ce matin, maintenant ce que je vais faire, j'ai achevé Dirty Dancing, non, c'est parce que j'ai la fiche là devant moi de Dirty Dancing, Twilight, j'ai commencé hier matin et je me suis enfilé les 5. Voilà, et je viens de finir le dernier. Bien sûr, je regarde en plusieurs parties puisque je fais des trucs entre les deux. Là, je sais pas trop quoi regarder. Je vais jouer un peu parce que j'ai pas joué beaucoup hier et avant-hier non plus. Donc, je vais jouer un peu. Faut que je monte le vlog. Enfin, cette journée de vlog. Et que je prépare tout pour faire ma vidéo de demain. Enfin, que je vais filmer demain. Donc, voilà. J'ai encore plein de choses à faire. Là, je vais faire un petit masque, je pense. Ça fera du bien à ma peau parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de masque. D'habitude, j'en fais beaucoup plus que ça. Et là, en ce moment, j'ai même la flemme pour les soins. C'est un truc de fou. J'ai la flemme pour tout. C'est le printemps, pourtant, mon cerisier a fleuri, mon lilas aussi. Les pissenlits aussi. Et la semaine prochaine, on va ranger ma garde-robe. Enfin, trier ma garde-robe. Je vous le dis maintenant, comme ça, comme je vous l'aurais dit, je serais obligée de le faire, voyez? Mais je pense que la semaine prochaine, on va trier la garde-robe, parce que là, en plus, comme j'ai recommandé des fringues, je sais pas où je vais les mettre. J'ai du linge qui traîne sur les cartons des trucs de la salle de bain, des travaux de la salle de bain. J'en ai qui traînent sur ma commode, j'ai des fringues partout. Et l'armoire, elle déborde, quoi. Donc, il faut vraiment que je trie. Là. Après, j'aimerais bien une plus grande armoire. Hein. Je crois que je vais laisser la commode à chérie et me prendre toute la garde-robe. C'est qu'une 5 portes. Ah non, c'est une 4 portes. Bon, c'est qu'une 4 portes, hein, après tout. J'ai pas énormément de place finalement, hein, donc voilà. Mais ouais, ça sera négocié avec chérie. Hein. Il a beaucoup moins de fringues que moi. Hein.
Puis surtout qu'elle met tout le temps les mêmes. Enfin. Ouais, sinon. J'ai rien de plus à vous dire pour aujourd'hui. Ce vlog va être assez court, je pense. Enfin, je dis ça à chaque fois, mais à chaque fois, il fait quand même 1 heure. Mais là, je pense pas qu'il arrive à 40 minutes parce que j'ai pas grand-chose à vous dire. Je fais pas grand-chose. Il faut que je refasse tous mes codes QR de café. Attendez, je vous montre le désastre. Voilà, j'ai tout cela en colis. Il y en a un. Donc je pense que je vais faire ça, tiens. Avant de jouer, comme ça je peux les jeter. Et je vois si je peux prendre un bon Amazon pour mon PC. Là j'attends de voir quand est-ce que je pourrais le commander. Et voilà. Ouais, bah écoutez. Je réfléchis à voir si j'avais rien d'autre à vous dire, mais je ne crois pas. Ah si, je me suis cachée. Alors j'ai dormi avec mon bonnet parce que j'avais les cheveux encore humides. Et je pense que ça a aidé aussi à ce que je dorme mieux. C'est qu'au moins les chiens, surtout Yuki, n'a pas pu m'arracher les cheveux. Mais j'ai une mèche qui a pété. Et ils sont super fragiles maintenant. Et c'est pile dans mon épi. Donc là, elle a cassé, vous voyez. Donc elle rebique un peu. Ici aussi, je crois que ça a cassé. Ouais, un peu, mais ça va, ça se voit pas trop. Mais alors celle-ci, ouais. Et encore, là, ça s'est un peu aplati avec le bonnet, mais ce matin, elle était comme ça. Ouais. Je les ai pas lissés, là, je les ai juste coiffés. Et, ah oui, hier, j'ai fait le bain d'huile et, bon, ça a pas changé grand-chose, hein, ils sont toujours cramés. C'est clair que je vais pas pouvoir les revoir comme ça, juste en faisant des soins, mais je pensais que ça serait au moins... C'est quand même un peu moins sec, mais je sens encore la différence et ça m'énerve. Et on la voit, hein, regardez, ici. Vous voyez, c'est vraiment cette partie-là. C'est chiant. Mais quand je retournerai chez Action, je vais voir pour me racheter de l'huile de coco. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Et pour essayer de refaire un bain d'huile de coco, voir si ça sera plus nourrissant. Si je trouve de l'huile de jojoba ou d'avocat, je prendrai ça. Ça sera encore plus nourrissant que la coco, parce que la coco, c'est plus hydratant que nourrissant. On verra bien ce que je trouve. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce... Mes cheveux sont moins jaunes que quand j'ai filmé le haut de la terre. Ça dépend vraiment de l'éclairage. Des fois, il paraît super jaune. Des fois, il paraît blanc. Vous voyez? Regardez. Et quand sur ça... Bientôt, je serai comme ça. Donc, voilà. Bref. Ouais, bah écoutez, sur ce, on suit le jour. Demain, on est déjà vendredi, c'est déjà la clôture. Bordel, qu'est-ce que ça passe vite? Bon. Ah oui, Sam m'a envoyé un message. Il y a des alertes attentats partout dans les écoles de Wallonie. J'en avais vu une la dernière fois qu'on a été au champ. Il me semble qu'il y avait une affiche déjà alerte attentat. Alors, je sais pas ce qui se passe. Je pense qu'il y a une enquête quelque part ou il y a eu des menaces quelque part pour qu'ils mettent des alertes. Mais comme j'ai dit à Sam, par chez nous, ça va quoi. On est un peu moins. Je dis pas qu'on risque rien, hein, parce que ça peut arriver n'importe où, mais on est un peu moins exposé peut-être que les grandes villes ou des choses comme ça, quoi. Voilà. C'est pas Actu qui vont venir viser ni aux branches. Puisqu'il y a des plus grandes villes près de chez nous, quoi. Donc voilà, je ne sais pas. Bon. C'est quand même malheureux qu'on est obligé de mettre des alertes attentats dans les écoles, quoi. Où va le monde, n'est-ce pas? Je vous le demande. Allez, sur ce, on se tue. Allez, vous êtes prêts? Pas sûr, mon gougou. Vive la liberté, mon gougou. Queenie, tu viens? Tu viens jouer, ma mémère? Bon, oui, pas sûr, ma mémère. Pas sûr, pas sûr. Pas sûr. On voit rien. Et mon gougou, alors vous pouvez remarquer que j'avais remis mon canapé en ordre hier. Et voilà. Ah, un gougou sauvage! Pour sur mon pépé, coucou! Qu'est-ce que tu es, mon gros pépé?
Oh oui, faire ses petits gâteaux à sa maman. Hein, laisse mes boutons. Attends, on va mettre comme ça. Bonjour mon bébé. Oh, quand tu pisses sous maman. Non, pas mes bracelets. Bonjour mon petit bébé coucou. Qu'est-ce que tu fais mon bébé coucou? Et voilà, et l'autre elle va commencer son cirque. Mon petit pépé coucou. Tu montres que tu fais des bêtises? Non, coucou. Tu peux pas monter là, tu le sais. Ouais. Monte à l'œil. On te surveille, petit con. Oh, c'est tout frouche. Mister Gougou, laisse mon coussin. Il est tout nouveau. Regardez-moi les crasses qu'ils font juste devant la cage. Ah, Queenie au bas. Bon, je vais être bonne pour remettre mon salon en ordre, hein, comme d'hab. 50 fois par jour. Voilà, ça fait longtemps que vous les aviez pas vus, les chichous. Je pense à Maëlle. J'ai plus de nouvelles, mais je pense à Maëlle. Qui aime beaucoup voir les chichous. Mon coucou, petit mon pépé. Foutent des crottes partout. Regardez-moi ça. Les 10 secondes qu'ils sont dehors. Non, coucou. Tu ne peux pas arrêter tes conneries. Bon sang. Bon, allez, je vais surveiller un peu. Ah, ça y est, attends, mon bout de papier. Il adore les bouts de papier, lui. Cunis, c'est le carton. Lui, c'est les papiers. Oh, bonjour, ma mémère. T'as trouvé le bâton. Ah non, un bout de carton. Riley, elle te ramène plein de choses hein, sur le canapé. Oui, tu vas le mettre dans ta cage. Bien évidemment. Tellement prévisible. Alors, il est 9 h. Ah non, 8 h, moi ça. Ça y est. Les chichous sont dehors, donc c'est le bordel, bien évidemment. Je profitais d'une minute de calme, mais elle attend que j'enregistre pour foutre le bordel. Donc voilà, j'ai été tourner ce réel. J'ai encore une vidéo à tourner, clôturer ce vlog, faire le montage. Je vais allumer le chauffage parce que j'ai super froid. Je sais pas combien est-ce qu'il fait là, mais il fait super froid. Ils disent 11 degrés dehors. Ils prévoient 18 cet après-midi, 19 en soirée. Ils prévoient 23 demain. On verra bien, ça tombe bien. Je dois faire tourner mes draps, donc ça serait plus facile de les faire sécher dehors que sur le pendant à l'intérieur. Gougou, arrête pas de faire des counes, lui. Il est sur la coudoir là, mais vous ne voyez pas, il est de la même couleur que le canapé. Oui, c'est de toi que je parle, petit con. T'arrêtes pas de faire des bêtises. Tu parles à maman? Oui, bah tu peux parler à maman autant que tu veux, tu fais des conneries quand même. Alors après, il vient faire le petit malheureux sur ma jambe comme ça. Donc voilà, vous les aurez vus un peu. Ça faisait longtemps que je vous les avais pas montrés, mais c'est vrai qu'en ce moment, ils sortent beaucoup moins, les pauvres. Je suis tellement déphasée dans mon sommeil que ben, je dors aux heures où eux sont réveillés. Donc voilà, là j'en ai profité que j'ai à peu près bien dormi encore cette nuit. J'ai été me coucher à 10 h, 10 h 30 dans ces zones-là et je me suis levée à 5 h. 5 h ou 5 h 30? 5 h. Je me souviens pas m'être réveillée, je me souviens pas avoir vu l'heure cette nuit donc je me suis sûrement, j'ai sûrement eu des micro-réveils mais voilà. Et ben voilà, chéri a dit qu'il allait attaquer la salle de bain ce week-end, il serait peut-être temps. Donc il râlait de ne pas l'avoir pour Noël. Voilà. Donc, et puis il va prendre une semaine de congé le mois prochain pour la terminer. Et voilà, bah c'est tout. Ouais, j'ai rien d'autre à vous dire. Là, je commence, ça fait 20 minutes que je suis assise à rien foutre. Je surveille les chichous, notamment. Je regarde Esther. Je suis en train de regarder Esther. Gougou, ma table. Oh.
T'as pas vu l'état de la table déjà? Ça, c'est le phoque. Vous avez l'habitude. Queenie, tu vas pas t'y mettre aussi? Oh, d'habitude, tu fais pas des bêtises, toi. Là, je vais les laisser encore un peu s'amuser. Et puis, quand ils rentreront, je fermerai la cage. Je vais les laisser rentrer quand ils ont envie. Voilà, voilà. Bah, écoutez, c'est tout pour cette semaine. Donc, la semaine prochaine, on range la garde-robe, les gars. Motivés, hein. Enfin, on trie. Faut que j'arrive à enlever pas mal de fringues, quand même. Parce que j'achète. Mais je mets tout le temps la même chose. Non, Boubou, tu ne peux pas. Fais T-Rex. Montre comment tu fais T-Rex. Cache tes pattes. Tu fais T-Rex. Fais T-Rex. Non. Ouais, je t'ai à l'œil. Je sais pas si vous voyez, mais... Je t'ai à l'œil, un petit con. Dis un peu aux gens à quel point t'es un petit con que tu fais que des conneries. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve... est-ce qu'il y a une vidéo demain? Je ne sais plus. Ah, attendez. J'en vais prendre mon planingue. Je ne crois pas que j'ai eu le temps de tourner. Ah si, le houle peut-être. Oui, le houle. Oui, je l'ai décalé ce matin. Je vous l'ai mis lundi à la place de vendredi, finalement. Donc, le haul, mercredi, une palette à make-up. Vendredi, coiffure avec les postiches, c'est celle qu'il faut que je tourne. Et dimanche, le vlog, voilà. Donc, 4 vidéos la semaine prochaine encore. Et on verra pour la semaine d'après, plus les réels, quoi, que j'ai tourné, là, j'en ai 2. Donc, je les posterai aussi ici en short. Voilà. Donc, sur ce, moi, je n'ai plus qu'à vous dire... Ah, bisous, bisous.